Dans ce petit tuto tout simple, on va voir comment réinitialiser complètement son appareil en vue de le revendre par exemple. Alors avant de faire ça, bien sûr, il faudra prendre le soin de sauvegarder l'ensemble des données importantes qui sont présentes dans la mémoire du téléphone, comme par exemple, dans notre cas, notamment les photos et les vidéos. Alors une fois que toutes les sauvegardes ont été effectuées, comment faire ? Eh bien, on va se rendre tout d'abord, on va baisser le volet de notification, puis on va se rendre dans les paramètres en cliquant sur ce petit engrenage. Ensuite, dans le menu des paramètres, notamment sur Galaxy S7, comme on le voit dans notre exemple, on va chercher la rubrique sauvegarder et réinitialiser. Alors bien sûr, en vue de le revendre aussi, si vous avez une carte SD, micro SD pardon, qui est insérée dans la mémoire du téléphone, commencez par la retirer et vous la mettre de côté pour le prochain, forcément pour le prochain téléphone. Une fois qu'on est dans ce menu là, on va cliquer ici, on va aller un peu plus bas, puis on va choisir réinitialiser toutes les données. Là, on vous explique clairement quels vont être les effets de vos actions. Donc effacement de ci, de ça, etc. Enfin là, tout est effacé. Et ici, il ne vous restera plus en bas qu'à cliquer sur réinitialiser le périphérique. Puis sur la touche au nom évocateur, supprimer tout. Allez, c'est parti. Le téléphone redémarre et après redémarrage, on va retomber sur l'écran de configuration initiale qui vous proposera de paramétrer votre téléphone. Come on.